Bonne actrice, hein. Ah bah ça, c'est chaud. C'est chaud, hein. T'as vu toutes les questions que je me suis posées là. Voilà. Merde, je l'ai regardé. Gros tout de suite. Mais très léger. Tu vois la voiture, tu la pousses. En plus, c'est bien que ce soit une femme qui fait ces trucs. Non, bah ouais. Non, mais tu vois, c'est genre, on va faire nettoyer Eric et on va. Regarde, il est léger. Enfin, dis-moi ce que t'en penses. Il est très lourd. Non, tu vois, ça va. Allez, c'est la carte. Il a bien. Tu prendrais celle-là. En fait, elle va déplacer ce fauteuil-là. La table, on l'a posée parce que c'est la table sur laquelle on fait les collectes en général, mais elle est toujours dehors. Donc c'est plus réaliste. Vous allez la retrouver de toute manière quand on va faire la pesée. Ouais. Et là. Attention, c'est mon stylo. Ouais, bien, de toute façon, faut pas parler. T'as mis ça là, Delphine, pour ça. Est-ce que ça nous gênait? Ah, pour faire les poubelles là tout de suite. Tu restes là? Moi je suis pas là. Non, je reste dans cette. Le mec il ne compte pas. Ah. Il prend tout ce que allez, répétition, action. Alors, quand les objets ne peuvent pas être vendus, on va être attentif à ce qu'ils reprennent le bon cycle du recyclage. Donc pour ça, on a mis en place des poubelles spécifiques. Bon, on a le pile usagé, classique, du bois, du textile, du papier, du métal qu'on va encore retrier derrière, selon les spécifications, et les poubelles d'électroménager, tout ce qui est multimédia, qui doivent être encore démantelées en déchetterie, et les plastiques, cartons. Tu sens bien un peu la tour, hein? Ouais, ouais. Alors, moi, si, t'as dû le mot démanteler, le mot interdit démanteler. Non, c'est eux qui doivent démanteler. Alors, ça va. Donc, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. En chantant, du coup, Et du coup, là, tu m'as dit 3B, 3B, on le fait après, c'est ça? Oui. Allez, je vais chercher Daphné. Tant qu'à faire. Elle est là.
Nora ? Trouvez Nora. Tiens, Nora, tu as une lampe. C'est la scène où on s'est lavé par ici parce qu'il y a le petit nettoyage du rangement. Ça va ensemble, des zones, c'est la même chose en fait. D'accord. Je vais avoir des plans différents, moi, alors. Une fois qu'ils sont collectés. Voilà. On fait en trois plans, je crois. Là, on va juste enregistrer David, en fait, en off. D'accord. Donc j'attends de faire le test. Mais il faut qu'elle se déplace, quand même. Pour l'instant, depuis le pour le son. Sur un enregistrement son, c'est tout. Donc on se tait et après... Elle doit se déplacer pour le son, non? Non. On va aller un peu pour qu'il y ait un peu de son, quand même. Allez, on va en place. Ok. Il ne faut pas casser la vaisselle. Lorsqu'il est collecté, chaque objet doit être déposé dans la bonne zone, pas qu'il soit valorisé correctement. Cette phase de pré-diagnostic est cruciale dans notre activité, en raison de la quantité de flux que nous recevons. Nous trions par catégorie et chaque objet a une zone dédiée, parce qu'elle subira un traitement qui lui est approprié. C'est bien, parfait. C'est une répétition là. Ouais. Pas de clap. Il s'économise. C'est la 3A, donc vous. Ok. Moteur. Ça tourne. Alors. Bah attends. La recyclerie, séquence 3A, 1, plan 1. Action. Séquence 3A, plan 1, prise 5. Plan 1, prise 1, deux caméras. Nous mettons un prix. Il fallait attendre. Action. Allez, on va faire pas le clap. Action. Selon une grille de prix, nous étiquetons chaque objet et nous le mettons en rayon. Allez. Sur la vaisselle, Gigi. Gigi, regarde ce que tu fous. Pardon, messieurs, dames. Oh là là là. C'est des éléphants dans un. Mais vraiment au milieu, quoi. En général, les meubles arrivent démontés. On la refait. En général, les meubles arrivent. Montés, virés. Et tu vas parler à cette caméra. Très bien. Tu vois ? Il y a plus de temps. Attends, ça ne monte pas. Non mais le bruit de la perceuse, ça va. Je dévisse, je dévisse. Ah, je dévisse. Quand j'ai fini de parler, tu te redresses, comme ça je me mesurerai ici. D'accord. Ouais, c'est... parce que j'étais là en train de chercher. Je me mesurais quoi? C'est qu'elle me mesurait moi. On y retourne. Allez. Ensuite, on les mesure, on les prend en photo, et ça nous permet de les déstocker au plus vite. Excusez-moi. Allez, on coupe. Non, c'est pas visible. Oui. T'as mesuré dans le vide. Il y a un truc bizarre, c'est normal que la main, elle tourne. Non, c'est pas normal.
Action. En cours. C'est bon. Si tout le monde est content. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on est bon. On est bon. C'est pas les bons. Tu vas te faire repérer. En cours. Mais normalement, il est censé être rempli, hein. Bah oui. Qu'il y a. Non, là, on va charger. Maintenant, oui. On va charger les trucs. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est on va faire semblant qu'on les décharge. C'est pour ça. Donc, hein. Bah oui, si vous avez besoin de nous. Est-ce que je peux l'amener ici? Et après, nous, on répare pas pour le temps, le problème, c'est juste si tu veux l'amener, tu vas aller chez quelqu'un. Ouais. Et au fond, ça te met deux gros appareils pour ménager et tu les ramènes à l'office. T'es prête pour voir si vous voulez qu'on en mette toi? Juste toi. Faudra en mettre 3 ou 4 pour que ça fasse bien. Tu dis Lola, tu peux venir m'aider. Lola, elle arrive avec ça. Ah, il en faudrait 3 ou 4 des machines à laver pour que ça fasse bien. Ouais. T'es un frigo américain. Donc là, on vient de recevoir deux électroménagers que j'étais chercher chez un particulier. Donc on les ramène ici pour les tester, les nettoyer, les réparer l'autre. Lola, tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Merci. Ah, si ça pouvait être aussi facile à chaque fois. Il va l'avoir. Il les a toujours. Je vois jamais assez de batterie le temps qu'ils sortent. Voilà. Voilà. Non, des Viviane, le plastique, hein, c'est. Ça se. J'ai oublié de te regarder. Ouais, donc on l'a refait et il faudrait une coupure un petit peu entre deux phrases. Parce qu'il y a des gros plans qui sont bien. Commence et puis j'essaie de te regarder, j'ai oublié. Alors en fait, je suis une actrice de merde. Sinon, on monte la deuxième. Hein. Non, mais ça va. On peut, hein. On peut. On peut, Patrick, ça ne t'inquiète pas. Annie, elle se met là maintenant ou pas? Oui. Ouais. Oui. Allez, au boulot, Annie. Dans deux secondes. Bon, on va y aller, on répète pas, hein, c'est bon. Bah, de toute façon, ce sera la répétition, voilà. Ça, c'est pas bon. Je regarde. Moi. Action. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de valorisation spécifique pour les jouets. Et toi, comme n'importe quel objet qui arrive à la recyclerie. Et puis, on vérifie sa complétude. Donc, on a une multitude de petites boîtes qui renferment des pièces qui peuvent nous aider à retrouver la complétude d'un jouet. Et si jamais on ne les trouve pas ici, on a même des bénévoles qui en fabriquent, qui fabriquent des pièces supplémentaires. Moi je propose que pour l'apéro il y ait une vingtaine de prises. Parce que... Quoi? Après on ne se certifie pas dans quel état. Vu que le rouge est coupé à l'eau, il va falloir en faire plusieurs. Action. Voilà, il y en a même pas la moitié qui font ça. Ah, vous voulez de ça? Oui, c'est là. Allez, on s'est fait. Action.